Bonsoir et bienvenue pour suivre nos bulletins nouvelles pour ce mercredi le 30 septembre. Nous commençons ce bulletin avec bonne grande titre. Un appel pour qu'il y ait l'affect dominant somme du système judiciaire et d'un pays en général est parmi cinq appels qui saisissent Mathilda Thomine fait de son dernier jour dans sa position. Travail commencé dans un rapport qui peut évaluer l'information qui est dans le secteur de la piste du pays et qui peut déterminer le niveau de la transparence de ce secteur. Propriétaire de la compagnie Virgin donne environ 2,2 millions de roupies à une trentaine d'organisations, sociétés civiles et institutions pour bonne projet communautaire. Nous allons le bon détail s'habiliter à présent. Respect pour constitution, rendre compte et la fin avec dominance par hommes, vigilance et courage. Il cinq appels qui saisissent Mathilda Thomy, une fait avec judiciaire et pays en général. Nous sommes au dernier jour, comment saisissent la Cour suprême. Docteur Thomy, tu fais cause d'une session cérémoniale qui la Cour suprême a organisée dans son lunaire après-midi. Président, vice-président, aussi bien qui explique l'Assemblée nationale, si parmi bonnes invités. À partir demain, pour rester dans son office, comment exige la Cour d'appel. On nous suivre un parti extrait, Sepsis Thomy, le cisé dominance par homme. Throughout my career and that of my female peers, my qualifications and ability have been a footnote to my gender. People say for a woman, she's a good lawyer. During my time on the Constitutional Commission as the only female lawyer there, I was called anti-femme arasée, an angry little woman. I have never heard of a man being called an angry little man. If I were a man, I would probably have been revered for being firm, no nonsense, and committed. Patriarchy and sexism are not limited to the legal profession. Gender-based violence and sexual abuse committed against women and children are at epidemic proportions. The abuse, violence, and depravity committed against women and children is unacceptable. We need to stop blaming women for being drunk, for dressing provocatively, for flirting. I am grateful to be on the Child Law Reform Committee, which I will continue to serve on, and we have made it a priority to review sexual offences. So, I'm calling for the dismantling of patriarchy in all of its forms, from men and women, until we don't even think twice about having a full bench of women judges, until antiquated chauvinistic mentalities have been banished from our law reports, until people stop asking the Chief Justice about her gender. Travail in commencé un rapport qui pour évaluer l'information qui en a le secteur la piste pays et qui pour déterminer niveau la transparence dans sa secteur. Bon, différents partenaires secteur la piste in zone ensemble d'un forum qui lance ce travail pour apprendre plus l'importance en a la transparence dans sa secteur. Ce rapport y expecté emmène plus l'attention le bon l'information qui en a le la piste qui a aidé les temps pour prendre bonne décision importante. Sa analyse pour évaluer la quantité d'informations qui en a le secteur de la piste de pays y est l'aspect en bas l'initiative pour la transparence de la piste. En effet, la première fois que Cécile fait un tel exercice en bas à l'initiative qui est globale. Sa évaluation pour déterminer si l'information est disponible, si le public est capable de gagner accès facilement avec et si l'information est crédible. Forum pour lancer travail pour ce rapport, il amène ensemble différents partenaires secteur de la piste, avec les bons départements de gouvernement, privés, société civile et même médias. Sa forum type d'autres apprend plus sur l'importance de la transparence pour le développement d'un secteur la pesque soutenable et qui aussi un aspect important comme un principe de cadre policier et guide l'économie bleue. Conseiller spécial de l'économie bleue côte bureau vice-président Philippe Michaud et dit qu'il commence partie de sa rapport, c'est celle pour gagner valier basé le critère que l'Organisation internationale de la transparence de la paix établit et c'est un consultant qui peut écrire sa rapport. Pour si réellement Cécile nous transparent, si l'information qu'il y a est disponible, si il y a une bonne participation et éventuellement ça rapport pour gagner discuter avec tout bon participant, bon du monde qui est réellement involve dans de la piste en façon ou en autre. Bon, commencer à l'initiative, il y a aussi ça bon bénéfice. On connaît de plus en plus bon pays qui exportent poissons, qui achètent poissons. Je les connais pas seulement
côté ce poisson sorti, si ce poisson gagne bien la pêche, si c'est un saut qui est soutenable, si tout le monde les autres aspects et que ça l'industrie est bien correct. Et puis, mon gars, il est important, c'est qu'il dit maintenant, en général, il gagne, il a participé, il a posé des questions, il a demandé réellement est-ce que la façon dont on peut faire est correcte, est-ce que nous avons amélioré, quelle information qui manquait, est-ce que cette information est une bonne information, il y a l'information qui nous a servi. La transparence dans la pêche, il veut dire qu'il fait si, qu'il y en a l'information qui est crédible et qui a la portée publique. Et M. Michaud, il dit qu'il a, c'est l'intérêt et difficulté pour comprendre l'information qui est le défi principal que l'autorité CCL a besoin de travailler là. Pourquoi nous ne sommes pas suffisamment intéressés et que ça c'est clair? Hein? Il y en a beaucoup d'informations qui existent, mais cette information n'est pas disponible, n'est pas très facile pour réellement, pour n'importe qui du monde comprendre. Peut-être un spécialiste qui comprend ce qui sa bonne chiffre dit, mais mettons public en général peut-être pas assez informé et finalement sa information il pour bénéfice l'économie, bonne gestion, bon stock et nous développons en général. Directeur exécutif secrétariat de l'initiative pour la transparence de la pêche, Sven Biermann, il dit que les autres pays ils devraient participer dans cette initiative aussi pour analyser façon qui ça secteur est massé. Transparency is a human right. You know, people have the right to know what is happening. Without transparency in any sector, not only in fisheries, you don't understand whether the government who's entrusted with managing that particular sector is doing a good job. So the general public needs to have a wider understanding of how the sector is managed because it impacts all of the people living in the Seychelles. We hope that in next year people are looking at the data and saying, why are certain decisions made in that particular way? Why are we spending here? Why are we not getting more money here? Those are all important decisions, and we would like to establish a culture of, you know, discussions about this. Sa rapport qui pour gagner mit ensemble pour pas arriver la fin sa l'année côté pour gagner lancer dans un deuxième forum. Sa rapport pour aussi donner certaines recommandations l'occasion hier publication l'information le secteur la PCCL est capable gagner élevé pour bénéficier tout du monde. Tarif électricité pour sa quatrième cas l'année pour rester pareil, il était là actuellement. Commission l'énergie CCL indique dans les communiqués qu'il décidait pas augmenter tarif électricité pour tout secteur malgré l'augmentation de prix carburant qui a été avec CPEC et qui board il prend sa décision basée sur les autres ajustements qu'il fait dans les passés et aussi pour maintenir stabilité d'un prix et aussi sa secteur économique, surtout dans sa moment difficile COVID-19 qui pays peut faire face à travers prochaine révision d'un prix basé au prix carburant y expecté annoncé vers la fin décembre et commission l'énergie dit qui y pour continuer suivre des prêts bon développement qui arrivait de sa quatrième cas l'année. La Banque centrale aussi a décidé de maintenir un policy monétaire relax pour sa quatrième cas 2020, pareil les cas pendant troisième cas salonnais. Ça veut dire qu'il taux l'intérêt policy monétaire pour rester 3%. Dans un communiqué, la Banque centrale dit qu'il basé sur sa décision, il n'a pas expecté grand changement de taux l'intérêt qui bonne la banque y appliquer. Ça y inclut le dépôt et aussi le crédit qui s'abonne l'institution financière y offre aux autres clients. Bon facteur qui borde la banque centrale considéré l'ain fait sa décision, c'est réduction qui n'en a dans revenu secteur tourisme et secteur privé, ainsi que l'incertitude vis-à-vis situation l'homme c'est l'emploi. Côté l'industrie la pêche et secteur production y expecté soutenir l'économie à court terme même si ça des secteurs n'a pas capacité pour mener à ses revenus pour couvrir sa perte dans l'industrie tourisme. Ça la banque y expecté donne plus détail le saisir dans conférence la presse qui pour faire avec média demain et ça pour direct le SBC 3
et Radio Sicile à partir 10h bon matin. Monsieur Vijay Patel, qui est propriétaire de la compagnie Vijay, dans environ 2,2 millions de roupies, et trentaine l'organisation société civile et l'institution pour bonne projet communautaire. Ça y est un cadeau qui est donné à l'occasion de son 75e anniversaire. L'école exceptionnelle pour bons enfants avec disabilité et conseil pour Dimounazé, idée parmi sa grande organisation, qui gagne sa 75 000 roupies avec M. Vijay Patel. Madame Heidi Franco, il travaille avec l'école exceptionnelle. Et M. Vincent Germain, il en sas la cour de Dimounazé. Tous les deux, ils ont bien apprécié sa donation, M. Patel. Ils dit qu'ils ont l'argent pour aider avec un petit posé qu'ils ont l'organisation in tout le temps en vie implémentée. Nous pour servir pour bon résident qui dans home à cause nous bon résident qui dans home il y en a besoin surtout aussi so mais nous pour servir avec bon résident qui fait pour Stéphanie pour répéter un petit guide autre dans cause pour rester à cause home depuis une fête ça l'est hein il est en opération et il besoin gars bon petit maintenance qui gars faire là bon thérapeute qui vient à l'école occupational therapies. Je suis content ensemble avec Speech. Je suis content de faire un Sensory Garden. Côté mes enfants qui ont autisme, mais les autres enfants aussi, of course, qui peuvent bénéficier avec. Par exemple, capable de bonne fleur pour un sense of smell. Sa donation l'argent pour servir pour implémenter bonne posée, soit au niveau de l'institution ou pour bénéfice de la communauté. M. Patel il dit qu'il tient envie de choisir son 75e anniversaire pour faire sa donation. À cause du marque plaisir, il en est son accomplissement et il tient envie de partager son joie avec la communauté. NGO work for the community. And if you want to do something for the community, then you have to choose people who are involved in the community. I can't reach that far. I have limited contact, I have limited resources. So it is better to choose people who are working for the community. And that way I am able to reach the community much further than otherwise I would. This doesn't come out of the company account. Over the years I have benefited from the company affairs and company affairs is operating here. And like I said, it's our duty to share with people. So, yes, we are having difficulty in the company, but actually account is not operative now. So what I'm doing is through my personal account. My intention is not to gain any mileage out of this. I don't have that intention. Yes, people will interpret, but I can't stop them. They can interpret the way they want. I would have done it very quietly. But the suggestion was that if you do it with a little gathering, it is more informative and it is probably more inspiring to other people. Monsieur Patel qui établit la compagnie Construction Vijay en 1979. Il encourage Banzen pour venir mettre son propre destin. The message to the young people is that life is long. Life is not just 5-10 years. It's long. And how to make use of that life is up to you. You can make it enjoyable or you can make it miserable. That's your choice. You can blame people, oh, you know, because of this, I am miserable and all that. But usually, that thing is self-doing. That's what I believe. Up to you how to want to make your life. Secrétaire principal pour tourisme in décrit débat le thème Tourism Back with Confidence, comment un qui amène certaines nouvelles idées qui capable de considérer pour encourager visiter pour recommencer venir ici. Sa débat est organisé dans le cadre festival tourisme qui a terminé mardi. Hier, c'est aussi une finale compétition F&B Masters. Toutes les activités sont faites côté l'hôtel côte Hilton La Brise Bellum. Le comité Festival Tourisme organise un débat autour du thème Tourism Back with Confidence le dernier jour de sa festival hier.
Pour participer à ce débat, c'est le ministre responsable pour le tourisme et aussi représentant sorti du département commerce et l'industrie, secteur privé, CET, la santé, l'hôtellerie et un dimanche qui fait tout guider. Secrétaire principal pour le tourisme, Anne Lafortune, il décrit le débat de ce thème comme un qui amène certaines nouvelles idées qui sont capables de considérer pour réactiver plus visiteurs. Un bon point qui nous lever, c'est de nous profiter de l'été pour nous go digital. Ou touriste ou là-bas dans le pays, quand on était là, ou on va assiser dans le sofa, ou assiser dans le lit, ou payer un petit l'argent, ou join nous, et il montre où tout ça que tu peux voir physiquement, il montre où online. Et ça y a une façon pour nous, je pas qu'à venir CCL pour le moment, nous n'a bring CCL tous autres. En plus, il y a l'autre chose qui nous montre aussi, il dit, qui a été touriste qui nous envie? Est-ce qu'il nous style envie? High quality with low impact. In other words, bon touristes qui peuvent venir ici quelquefois pour long term, qui ont pour dépenser plus et qui ont seulement et de place bon d'un touriste qui vient de 3 jours après tout aller qui pas vraiment en a beaucoup qui emmène. So nous pouvons imaginer quelquefois qu'il y a nous pour faire touristes vient plus long, vient par exemple rester 2-3 mois. Travail pour ici. Pareil, nous connaissons, pareil, pour le moment, nous avons une bonne UAE, Royal Family qui est ici. Nous peut travailler ici. Nous peut travailler, nous peut manager notre business, nous peut manager notre pays from ici, on a long term basis. Donc, ça, c'est une question que nous avons calculé, qui vient nous faire pour nous amener quality tourists, si nous avons moins l'impact, l'industrie qui fragile à ce moment. Après le débat, c'est dans la troisième édition finale compétition F&B Masters, la compétition Côte Bonne Bartenders dans l'hôtel. Ils viennent avec leur propre création pour faire un nouveau cocktail. C'est dans 5 finalistes et gagnants, c'est Selwyn Dick, sorti Côte l'hôtel Raffles Pralin. Ça drink qui nous noie là aujourd'hui, qui appelle Zoli Chauvaz. Il y a un curry leaf, il y a un curry pilé. Et il y a un feuille qui sorti avec pied limon. Okay. Et là-dedans, il y en a un tequila qui a une effusion avec feuille cannelle. Et tout ça, bon drink, tout ça, bon spices, il y met ensemble avec son sel, avec son poivre. Pareil, il nous fait un énorme lemon juice. Et tout ça, il y met ensemble avec un petit grain de tatamaka rum. Et ça, drink, il y build up. À pas de débat, le thème tourisme Back with Confidence et compétition cocktail et l'autre activité, donc le festival tourisme, tient une cérémonie dimanche le 27 septembre pour commémorer bon pionnier dans le secteur tourisme. Nous continuons avec une nouvelle. Demain, le 1er octobre, la journée internationale Bon Dimoun Azé, dans son message pour sa l'occasion, président Danny Foy dit qu'il s'agit d'un jour spécial que nous, ici Cécile et les mondes, y célébrer la journée un bon groupe plus important qui travaille avec courage, dévouement et détermination pour mener Cécile côté aujourd'hui. Le président dit que pendant que nous célébrons la journée, il faudrait nous prendre compte des difficultés que nous avons dit qu'il passe là-dedans aujourd'hui. Les autres plus vulnérables dans la société, surtout pendant sa pandémie COVID-19. Et il dit qu'il s'agrinant que dans nos sociétés, il y a des gens qui passent dans un bon habit et qui s'habillent sa bon monde peut détruire la fabrique de nos sociétés et affaiblir nos nations. Président Foy dit qu'il faudrait qu'il nous prenne compte que c'est nous, bon Dimoun Azé, qui nous jouons un grand rôle pour faire nous grandir, qui nous compte en nous et même sans nous. À présent, il nous tourne pour rendre notre sa service et faire ainsi qu'il nous dans dit bien et promote notre bien-être à cause de travail qui nous l'a aujourd'hui. Et de son côté, ministre pour les affaires de la famille, Mitzi Larue, indique que si tout salonné pendant sa pandémie COVID-19, nous devrions célébrer l'existence de nos bandits monazés et montrer notre reconnaissance à cause dans le passé, les autres ne fait face avec ben les autres l'épidémie et que pandémie, bandits monazés ont montré les autres résilients et une sortie plus fort. Il dit que ça joue. Qui la zone est bandi moun azé, pardon, il a zone pour montrer sa bandi moun qui moyenne ou apprécie les autres, si tout pour sa grande contribution qu'ils ont fait dans la société. Il dit que sa zone devrait remercier nous bandi moun azé
passe le temps avec zot et demande bon Dieu protection pour zot. In termine son message par suite bon dimonase et bon la fête demain. Grand loterie minimas millionnaire in tiré un petit peu le temps passé. G. Boucherot, en slamouche, et gagnant Star Prize 1,5 million roupies. Son numéro ticket, ti 3D856. Premier prix 1 million, il a le poids Joachim Sullivan, Beauvalon, avec numéro ticket 33896. Deuxième prix 500 000, il a le pour Francis J. Rodrigue, La Misère, avec ticket 3N849. Et troisième prix, 250 000 roupies, il gagné par Charis Chaman, Belom. Son numéro de ticket est 07D83. Propriétaire de sa loterie, Mme Marie-France McGregor, il dit qu'ils ont une vente un petit peu plus que 34 000 tickets pour sa loterie Minimas Million. Et qui en décembre, prenant une loterie coûte 10 000 pour partager ce prix. Et l'arrangement qu'ils ont pour faire pour permettre plus de monde gagner sens vin un millionnaire. Nous voulons que tout le monde, autant que possible, y gagne les autres sens pour les autres participer. Sa loterie, il pour ça, il pour les autres là-dedans. Loterie descend pas pour vendre 1000 roupies, il pour vendre 500 roupies. Nous prenons 3 millions, 3 du monde pour gagner l'argent 1 million. Nous Star Prize pour 2 millions. First prize pour 1,5 million roupies. Deuxième pour 1 million. Ça veut dire 3 là. On nous revoit bonne grande site Sabilité à présent. Et l'appel pour qu'il y en ait l'affect dominant somme de système judiciaire et de pays en général est parmi 5 appels qui saisissent Mathilda Thomine fait le son dernier jour dans sa position. Travail commencé dans un rapport qui peut évaluer l'information qui est dans le secteur de la paix du pays et qui peut déterminer le niveau de la transparence de ce secteur. Propriétaire de la compagnie Virgin donne environ 2,2 millions de roupies à une trentaine d'organisations, sociétés civiles et l'institution pour bonne projet communautaire. Merci pour suivre ce bulletin et bonne continuation pour suivre le restant programme.